Bonjour, après l'Amstel, vous le voyez, le cyclisme joue les prolongations sur l'antenne de France 3 Bretagne. Nous sommes à Lannilis, au pays des Abers, pour vous faire vivre le dénouement de la 35e édition du Trobroléon. Nous sommes avec Lilian Jégou, notre consultant habituel. On peut dire que le vent va être de la partie cet après-midi. Oui, le vent qui vient de se lever à l'approche du circuit final, ou qui viendra durcir un peu plus cette course, déjà agrémentée de ces chemins pierrés appelés les Ribinous, et qui va certainement voir un beau final. Eh oui, c'est toute la spécificité de cette course entre asphalte et chemin en terre. Les coureurs, ils étaient à peu près 120 à prendre le départ tout à l'heure à 13h30. Nous sommes, comme vous, très impatients d'aller les retrouver. Et nous les retrouvons, ces coureurs. Ils sont déjà sur les ribines. Lilian, il y en a eu quelques-uns déjà d'abordés. Nous arrivons bientôt dans ce 15e ribine. Oui, déjà les coureurs ont déjà fait 150 km de course. On a vu une longue échappée de trois coureurs se former quasiment dès le départ. Et puis après, c'est vrai qu'au fur et à mesure que les ribinous se rapprochaient, et donc les coureurs sont derrière se sont rééchappés. Et maintenant, on assiste à un groupe de 6 à l'avant. Voilà. Alors il y a une course de mouvement, bien entendu, et il y a une échappée qui s'est dessinée. On va vous la détailler, cette échappée, avec le maillot 134, le dossard 134, vous l'avez vu apparaître, c'est Gianni Marchand de l'équipe Cibel. Dans cette échappée, il y a également Marc Fournier de l'équipe Vital Concept, Maxime Daniel Le Breton de Fortuneo, Benjamin Thomas de Direct Energy, Steen Van Der Ghen de la G2R, et puis il y a également Cefat, l'équipe Tartelletto Isorex. Et pour n'oublier personne, je crois qu'il y a Ole Forfang de l'équipe Joker qui doit encore appartenir à ce groupe. Ce sont des prétendants à la victoire, mais intercalés entre ce groupe et le peloton, il y avait tout à l'heure quelqu'un qui avait de l'ambition. Voilà, on le l'ambition voit tout simplement de doubler la mise, parce que Damien Godin a essayé et tente actuellement de revenir sur les hommes qui jouent aujourd'hui les filles de l'air, et il a trouvé du renfort, Damien Godin. Voilà, on le voit Damien Godin équipier avec son équipier Thomas Bouda et Christophe Laporte. C'est pas pour rien qu'on voit ces deux équipes Direct Energy et Cofidis faire l'effort à l'arrière, parce que tout simplement elles ne sont pas représentées à l'avant, et c'est ce genre de course où il ne faut jamais avoir un coup de retard, et c'est toujours important d'être représenté à l'avant si vous ne devez pas être obligé de rouler à l'arrière pour revenir sur les échappées. Donc on voit quatre coureurs qui sont en contre juste à l'image. Voilà, donc Damien Godin qui avait gagné l'année dernière. On l'avait vu échapper justement à peu près à cette entame du final, à 50 km de l'arrivée, qui avait fait un effort solitaire. Et objectivement, Lilian, hein, juste avant le départ de la course, à la lecture des coureurs engagés pour Direct Energy, eh bien, on se disait que les hommes de Jean-René Bernadeau n'étaient pas en Bretagne pour faire ce week-end de la figuration. C'est vrai qu'ils ont déjà gagné hier, hein, avec Jonathan River, en plaçant notamment deux autres coureurs dans les 10 premiers. Et comme il disait au départ, quand on a été les interviewer, c'est vrai qu'ils avaient plus de pression. Ils avaient déjà gagné une course dans leur week-end, donc aujourd'hui c'était que des bonus. Mais on les a vus, hein, ils ont loupé le coche, mais ils se tiennent quand même à revenir en tête de course et à faire la jonction avec voilà. Les échappés. Ils vont recoller, on le voit, ils sont pas très loin des échappés. Là, le groupe va se constituer. Direct Energy est en forme. On l'a vu ce mercredi sur les routes de Paris-Camembert, notamment, puisqu'ils ont gagné encore une autre manche de la Coupe de France avec Lilian Calmejane qui s'est imposé sur Paris-Camembert. Et de fort belle manière. Et pour la petite anecdote, hein, Lilian Calmejane qui courait hier, on l'a vu aujourd'hui tout simplement rallier l'hôtel à Lannilis en vélo pour venir encourager, même s'il ne courait pas aujourd'hui, il est venu encourager ses coéquipiers sur le Trobroléon. Il y a une très belle communion, hein, voilà, au niveau de cette équipe Direct Energy, et on le voit au niveau des résultats, parce que ça marche très très fort. C'est vraiment des coureurs qui signe de très belles performances depuis le début de la saison. Jonathan Hiver, il a tout simplement aujourd'hui 5 victoires au compteur, c'est énorme. Ouais, c'est vrai que Direct Energy c'est vraiment une des équipes qui a marqué ce début de saison. Il est
d'autres équipes françaises qui l'ont moins bien marqué. Ils sont plus de pression. Et c'est souvent comme ça, hein, quand vous avez un peu de pression, bah, du coup, vous avez du mal à vous libérer. Alors que quand tout roule, et bah, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile après. Vous êtes beaucoup plus détendu et c'est souvent comme ça qu'on arrive à avoir les meilleurs résultats. Et là, on voit qu'en partant à deux, c'est vrai qu'on voit l'intention de Direct Energy de frapper très fort aujourd'hui. En tout cas, c'est leur intention. Ils ne sont pas les seuls à vouloir briller. Il y a bien entendu beaucoup d'équipes françaises qui sont alignées. On en parlera, on les détaillera tout à l'heure, mais on peut parler de Cofidis qui a fait le voyage avec des coureurs qui sont capables de créer la surprise. Il y a notamment au sein de cette équipe Cofidis, eh bien tout simplement le leader de cette équipe Cofidis, Hugo Hofstetter. Et c'est vrai que Hugo, c'est quelqu'un qui est un peu la surprise, Hugo Hofstetter, de cette Coupe de France, puisqu'il en est le leader. Certes, il n'a pas gagné, Lilian, mais quelle régularité. Bah oui, sur les 8 premières manches, il s'est classé 6e dans le top 10. Donc on l'a dit, hein, il n'a pas gagné, mais c'est vrai qu'il a engrangé toutes ses places qui lui permettent aujourd'hui d'avoir le leadership sur cette Coupe de France. Même si au départ, il disait que pour l'instant, ce n'était pas encore un objectif. Alors, vous avez été très inspiré, Lilian, hein, parce que ce matin, avec notre collègue Stéphane Sauvillier, vous êtes allé à sa rencontre. Vous allez voir dans quel état d'esprit est le jeune garçon. Déjà aujourd'hui, je pense que l'objectif, c'est vraiment de gagner la course. Quoi. C'est ce qui est le plus important pour nous et pour l'équipe. Et pour toi, pour le classement général ? Pour le classement général, oui, c'est important. C'est sûr que si je gagne aujourd'hui, c'est top. Quoi. Après, il reste beaucoup de manches. C'est pas encore vraiment fixé. Donc, je fais pas une fixette là-dessus non plus. Quoi. Il a joué modeste, mais en fait, vraiment, c'est un garçon avec lequel il va falloir compter. C'est évident, il est là, il est dans les points. Et il reste encore, bien entendu, quelques manches à disputer. Mais à mi-parcours, eh bien, on peut compter sur ce garçon qui brille, on vous le redit, par sa régularité. Alors dans ce groupe qui revient, on le voit, il y a aussi un membre de l'équipe Cofidis et qui a l'air de... Je crois que si on a, tu as identifié... Il semble bien que c'est Christophe Laporte. Voilà, c'est Christophe Laporte, il me semblait. Le sprinter, hein, quasiment, qui a su remplacer au pied levé Nasser Bouani qui avait un peu moins de résultats en ce début de saison. Et Christophe Laporte, il a su lui emboîter le pas et on l'a vu notamment sur les courses World Tour jouer à armes égales sur des sprints avec les grosses équipes. On l'a vu notamment là aussi l'année dernière gagner le Tour de Vendée en direct sur France 3 à Ouest. Et aujourd'hui, on le revoit à l'avant. Christophe Laporte aussi qui s'est confié au départ et qui nous avouait que notre Brunéon n'avait jamais vraiment réussi. On l'entendra sans doute tout à l'heure, Christophe Laporte, que vous avez eu le loisir de rencontrer. Alors que là, on assiste, donc les courants de tête rentrent dans le secteur des cœurs entrants, rien entrants. C'est un peu la tranchée d'Arambert de Paris-Roubaix. Hein. C'est vrai, ça quasiment à chaque fois que la course se décante. Et nouveauté cette année, c'est que les coureurs passeront une deuxième fois sur ce secteur. Qui est emblématique, qu'on découvre grâce aux caméras d'Anthony Forestier, les Alberts, c'est vraiment une très belle région. Il y a la mer, mais il y a aussi les terres. Et on voit que les ribines aujourd'hui vont certainement bien causer beaucoup de problèmes parce que le parcours, il est cassant. On a entendu tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de crevaisons à l'arrière. Il y a beaucoup de coureurs qui se sont retrouvés éliminés sur incidents mécaniques. Vous l'avez couru, vous, Lilian, vous l'avez couru, ce Trobreléon, il faut le savoir. Il faut être en forme, certes, mais il faut aussi avoir un peu de chance. Ouais, il faut avoir de la chance, hein. C'est vrai qu'il faut aussi savoir rouler propre, hein. C'est pour éviter les trous, éviter les gros cailloux. Et pour ça, il faut être tout simplement à l'avant du peloton, pour savoir où est-ce que vous devez passer vos roues. Et donc, il faut faire à chaque fois l'effort de rentrer en tête ou dans les 10 premiers, pour éviter justement tous ces pièges. Et là, on voit toujours les coureurs dans ce secteur qui font 1,9 km. C'est un des secteurs les plus longs et surtout les plus difficiles. Hein. Vous allez voir dans le final, il est légèrement en long faux plat montant. Les coureurs vont passer sous un petit pont et remonter sur la gauche pour aller chercher en haut une ferme très emblématique où les coureurs les ont en point de mire en faux plat montant. Alors ces chemins, ils ont été un peu rechargés, mais pour autant,
On le voit, ils sont très cassants. Il y a beaucoup de cailloux, beaucoup de pierres. C'est usant et c'est dur pour la mécanique et pour, bien entendu, pour les coureurs. Et puis surtout, on voit bien, il a énormément plu cette nuit. Et donc, la pluie a rendu ces segments, secteurs beaucoup plus meubles. Et donc, c'est beaucoup plus difficile de relancer. On est un peu plus collé à la route. Là, on revient vers l'arrière et on voit que les Fortuneo sont à l'ouvrage. Là, voilà. C'est le peloton qui tente de recoller. Et on voit que Cofidis, Fortuneo et les Groupama FDJ sont à la manœuvre. Voilà, ils tentent de revenir. De la place qui fait l'effort devant. Même si le team Fortuneo Sansik Maxime Daniel à l'avant. Ils font quand même l'effort pour ramener leur leader qui est Laurent Pichon. Laurent Pichon, c'est vrai que qui est vraiment sur ses terres et qui a à cœur de briller. Lui qui a beaucoup d'accessis sur le Trop Gros Léon. Il aimerait bien remporter ses courses. Et là on voit qu'on s'emploie, hein, c'est clair. On a l'intention de recoller, c'est évident, tout le monde est. Voilà, on est au sommet, hein, on arrive à la ferme, là on va tourner sur la droite, on va retrouver la route. Mais on voit bien que ce secteur est extrêmement exigeant. Et donc c'est le coureur Benjamin Thomas, qui était l'année dernière dans l'équipe de l'armée, un excellent pistard qui fait l'effort pour creuser un peu plus l'écart avec le peloton, alors que les coureurs qui étaient intercalés, sont rentrés. À l'avant de cette échappée. Et alors la singularité de ce tracé 2018, c'est que justement on emprunte ce tracé une deuxième à deux fois. Reprises. Alors, vous voyez les dégâts que ça peut faire dans le peloton, les écarts, les crous qui commencent à se creuser entre les différents concurrents à 50 km de l'arrivée. Et on va y retourner. C'est un passage très dur. Là je crois reconnaître Mathieu Ladanius qui revient et qui tente de revenir sur le groupe d'échappée, le coureur. De la FDJ. Donc des ribines cette année, des secteurs empierrés, il y en a tout simplement 27 au menu des coureurs. Et quand on fait un petit calcul rapide, on a 33 km de chemin. C'est pour ça tout simplement que le Trop Gros Léon est véritablement le Paris-Roubaix breton. Voilà, et on revoit la tête. On voit bien que les équipes, hein, même si elles ont un coureur à l'avant, elles ont quand même fait l'effort dans ce circuit, parce que dans ce secteur en faux plat montant, parce qu'elles savent que la course se décante toujours là et il est toujours préférable d'être en surnombre à l'avant plutôt que d'être attentiste et de laisser éventuellement des coureurs s'échapper ou s'intercaler comme ont pu le faire les deux coureurs du Team Énergie, Team Direct Énergie, qui sont rentrés à l'avant. On va détailler un petit peu notre dispositif aujourd'hui pour ce Trop Gros Léon 2018. Nous avons depuis le début d'après-midi animé les réseaux sociaux en compagnie de notre journaliste Mathilde Lazou, qui a réalisé quelques informations sur nos pages Facebook, quelques petites vidéos exclusives pour nous faire découvrir les coulisses. Et Mathilde, eh bien on a la chance de la retrouver tout de suite sur la ligne d'arrivée. Elle est en compagnie d'une invitée. Bonjour Mathilde. Salut Jean-Marc, salut Lilian. Effectivement, je suis en très bonne compagnie. Je suis avec Virginie Kerdraon, qui a quand même fait les Jeux Olympiques de Rio avec la piste. Comment ça va Virginie? Ça va très bien. Ma nouvelle vie se passe bien depuis les Jeux Olympiques. Donc là, je suis venue voir un petit peu l'ambiance, histoire de retrouver l'ambiance du vélo et retrouver les amis du vélo. Donc ça se passe bien, je m'éclate. Vous avez arrêté votre carrière après les Jeux Olympiques de Rio. Comment ça se passe à nouveau? Est-ce que ça vous manque pas trop quand vous revenez sur une course comme celle-ci? Non, c'est un choix que j'ai... Ça faisait un an avant les Jeux, je me suis préparée mentalement. Et non, je voulais m'arrêter sur la plus belle compétition, quoi qu'il arrive. Et préparer ma reconversion à 28 ans. Et ça s'est bien passé. Hein. Je travaille maintenant dans une banque et je m'éclate. J'ai une vraie vie. Enfin, je suis maintenant posée, c'est ce que je souhaitais. Donc maintenant, j'ai plus qu'à progresser dans mon travail et après on verra ce que je vais faire. Après le sport, j'en fais beaucoup moins en moins. Je fais un peu de course à pied, des petites compétitions par-ci, par-là. Et le vélo, je le fais pour le plaisir. Merci beaucoup et bonne continuation Virginie. Merci. Merci beaucoup Mathilde. On tentera de vous retrouver tout à l'heure sur le bord de l'arrivée où il y a énormément de monde déjà qui s'est massé. Et voilà, on voit les coureurs à l'ouvrage. Et là, on découvre les abers. On
toute leur splendeur. Ça roule, c'est une partie là particulièrement roulante. Et justement, ce matin, on s'est posé la question, on s'est dit, mais dites-moi, ça fait combien de temps qu'un Breton ne s'est pas imposé sur le Trobroléon, Lilian? Ça fait une dizaine d'années, hein. C'est vrai que c'était Frédéric Guédon en 2008 qui avait levé les bras. J'étais effectivement moi dans son équipe, puisqu'on j'avais pris 5e place à l'arrière. Et c'est vrai que depuis ce temps-là, aucun Breton n'a relevé les bras. Et donc je pense qu'à la française, Fred a Olivier Legac comme coureur breton et il sait lui transmettre tout son savoir pour. Alors vous avez eu la bonne idée, Lilian, vous avez vraiment eu la bonne idée d'aller voir Frédéric ce matin au départ et vous lui avez demandé comment on se préparait à vivre une journée de course qui est très similaire au Paris-Roubaix. Ça dépend, il faut mettre un dispositif en place et on va écouter Frédéric Guédon, voir comment il a préparé cette course. Tous les secteurs sont quasiment couverts. Hein. Donc on est obligé un peu ici parce que c'est vrai que trop beau, on peut tout perdre sur un secteur. Hein. Il y a beaucoup de risques de crevaison. Donc là, on a des supporters, donc on les utilise aujourd'hui. Ouais. Effectivement, hein, c'est vrai qu'on le voit notamment à l'image à la sortie des secteurs empirés, hein, que beaucoup de personnes sont là, attendent des roues et des bidons. Car les coureurs savent que s'ils crèvent, il sera beaucoup plus facile de finir le secteur, même en étant crevé, en roulant crevé, pour aller être dépanné à la fin du secteur, plutôt que d'attendre leur voiture qui, avec les multiples cassures qu'on a pu voir à l'image, leur fera perdre quasiment toute chance de gagner aujourd'hui. On est sur le 17e Ribine, hein, on est à Plouguerneau, voilà, à Kervilly. C'est le Ribine qui était sur le circuit des championnats de France qui ont eu lieu à Nice en 2013. Et donc c'est un ribine que donc les coureurs professionnels qui ont concouru. Il n'est pas très long, il fait 800 mètres, mais il fait mal aux jambes celui-là. Voilà, il est légèrement montant, c'est vrai qu'il est assez propre par rapport aux autres, mais il est exigeant. Voilà, avec ce virage à droite qui est très dur. Et vous le voyez, ces chemins sont bien dégradés, il a plu. Hein. Donc c'est pas facile. Et on voit bien, on roule quasiment à un de front. Hein. Les coureurs, il n'y a quasiment qu'une trace pour rouler sur les ribines. On voit bien qu'au milieu, leur vêtement est beaucoup plus dégradé. On voit même de l'herbe. Regardez les grosses pierres au milieu. C'est vrai qu'il vaut mieux rouler légèrement sur le côté. D'où l'importance d'une reconnaissance. Beaucoup de coureurs sont venus répéter leur gamme ces derniers jours pour justement voir quel côté du chemin emprunter, voir quelle était la portion la plus roulante. C'est aussi comme ça qu'on peut s'imposer sur un Trobroléon. Et voilà le groupe de tête qui a. Les écarts sont très fins, hein, très infimes, hein, 30 secondes. Et on voit donc le coureur d'AG2R qui mène ce groupe, est suivi par les deux coureurs de Direct Energy, hein, qui ne sont pas des moindres. Hein. On a donc Damien Godin, vainqueur en 2017, donc l'année dernière. Et puis Thomas Bouda, c'est le jeune sprinter de l'équipe Direct Energy qui a déjà gagné cette année une étape sur le Tour d'Andalousie et aussi chez les Pays de Loire qui faisait son retour dans le calendrier français puisque c'est une course qui avait disparu pendant 2 années. Et donc Thomas Bouda est vraiment en forme en ce moment. Alors qu'on voit à la tête deux autres coureurs bretons, hein, Laurent Pichon et Cyril Gauthier qui a déjà lui couru hier. Il était très content de revenir sur ce Trobroléon, Cyril Gauthier. Hein. Très heureux de revenir. Lui qui avait l'an dernier disputé l'Amstel, Cyril Gauthier, il était vraiment très heureux de passer un week-end en Bretagne, sur ses terres. Cyril Gauthier, si son interview est calée, je vous propose peut-être de le retrouver parce que lui aussi, vous êtes allé le voir, parce que ça peut être un sérieux candidat à la victoire ce soir. Pour un Breton, on est tous motivés sur ces courses-là. C'est des belles courses qui durent. Et on a envie d'y briller. Moi, j'ai à cœur ces épreuves-là. Chez AG2R la mondiale, les leaders, ce serait qui aujourd'hui? Voilà, on a Sam qui a une très bonne carte parce qu'il a gagné il y a quelques années de ça. Rudy, Sten, on a plusieurs cartes pour prendre la course du bon sens. Donc c'est vrai que AG2R la mondiale a beaucoup de coureurs, mais c'est vrai qu'en off.
sur les 7 coureurs au départ, 6 ont déjà couru hier sur le Tour du Finistère, et sauf Rudy Barbier qui remplaçait donc Romain Bardet. Et sinon, les 6 autres coureurs ont déjà doublé, donc c'est vrai qu'ils peuvent avoir un peu de fatigue dans les jambes. Et c'est très difficile. Voilà, Cyril Gauthier nous disait aussi que lui avait déjà repéré, notamment en plus, l'étape du Tour de France qui finistérienne avec Romain Bardet vendredi. Ouais. Donc ça vendredi avec deux grosses journées. Sparring partner à Romain Bardet, qui était impatient, lui, de découvrir ses routes où il nous l'a confié. Il faudra savoir courir placé. Alors qu'on voit à l'avant, l'entente n'est pas forcément cordiale. De multiples attaques. C'est vrai qu'on voit notamment des coureurs, les deux dernières coureurs qu'on voit à l'image sont des coureurs qui sont échappés dès le départ, et c'est vrai que ils ont quasiment plus de 100, 130 km dans les jambes. Et on voit que c'est un peu plus dur par rapport à des coureurs un peu plus frais qui sont rentrés en cours de course. Et là, la tentation de se relever est peut-être là, parce que le peloton n'est qu'à 32 secondes. Alors le peloton qui est 32 secondes, c'est un maigre peloton, ils sont une petite quinzaine. On les a vus tout à l'heure, surtout l'équipe Fortuneo. Fortuneo qui fait l'effort pour avec FDJ avec notamment Laurent Pichon qui est là sur ses terres, qui nous l'a avoué au départ, avait lui aussi reconnu surtout le final, qui avait à cœur de briller aujourd'hui. Laurent Pichon, on l'a rencontré lui aussi, parce que c'est fatalement quelqu'un qui est à la maison et qui a tellement tourné autour de la victoire qu'il rêve, c'est son rêve absolu de s'imposer un jour ici à l'Aninis. On l'écoute, Laurent Pichon. Ouais, c'est clair, c'est ma course, c'est la course que je préfère dans l'année, donc voilà, les jambes sont là depuis un mois, on va dire depuis la fin de Paris-Nice, mais malheureusement j'ai pas réussi à trouver l'ouverture, donc j'espère qu'aujourd'hui enfin ça va le faire, et non je suis vraiment décidé, en mode guerrier on va dire. Le parcours a changé, est-ce que ça t'inspire? Ouais, j'ai fait deux reconnaissances, et c'est vrai que le final va être beaucoup plus dur à mon avis, donc je pense que les costauds vont sortir, j'espère en faire partie, mais ouais, je m'attends à une course difficile, et voilà, nous avec l'équipe on est tous motivés et on n'a pas envie de se faire piéger. Et pour l'instant c'est vrai que Laurent Pichon n'est pas à l'avant, Laurent Pichon est dans le compte derrière. Par contre, il n'est pas très loin, voilà, on est à 37 km de l'arrivée, mais c'est vrai que l'an dernier à 50 km de l'arrivée, Damien Gaudin était sorti comme un diable de sa boîte et était parti en solitaire, en costaud, alors qu'on voit le phare de l'île Vierge. Magnifique image de ce pays des Abers. Et on le disait l'an dernier, à 50 km de l'arrivée, on sentait qu'il se passait quelque chose, qu'il y avait un homme fort qui allait peser de tout son poids sur cette course mythique qui est devenue le Trobroléon. C'est vrai qu'à 50 km de l'arrivée, l'année dernière, quand on a vu Damien Gaudin s'extirper du peloton tout seul, on s'était dit qu'il allait au casse-pipe, et non, il a conservé son avance et il a pu lever les bras ici sur la ligne d'arrivée. On voit bien que le Trobroléon est une course pas comme les autres, avec ces chemins qu'on voit à l'image, et surtout le scénario n'est jamais le même, et c'est ce qui rend cette course aussi intéressante et y amène beaucoup de suspense. Ah, puis les coureurs bretons, on va vous avouer un petit secret, ils aiment bien s'illustrer sur le Trobroléon, parce qu'à la clé, pour le meilleur des Bretons, il y a un petit cochon. Voilà, c'est vrai que c'est les jeunes agriculteurs du Finistère qui remettent ce cochon de lait. Et c'est toujours emblématique, toujours marrant de monter et de faire la photo avec le cochon qu'on ramène à la maison le soir même. On va faire un petit coucou à l'éleveur. Hein. C'est André Roudotte de l'Aninis qui a fourni cette année le petit cochon. Et il paraît qu'il s'appelle Vincent. Il paraît que Vincent Watley, notre producteur, y est pour quelque chose. On enquêtera, on vous promet, on reviendra sur l'affaire. Alors qu'on voyait que sur l'image, c'est Maxime Daniel qui avait du mal à suivre à l'avant de la course. C'est pour ça qu'on voyait derrière en contre des coureurs de son équipe, le Team Fortuneo Samsic, attaquer et relancer. Tout simplement, ils avaient dû avoir l'information que Maxime Daniel n'était pas forcément au mieux, et que pour éviter de se faire piéger, il était préférable qu'ils reviennent sur ce groupe de tête, le groupe de tête qu'on voit qui est
qui se morcelle au fur et à mesure des difficultés. Et on le voit, ce sont des parcours qui s'apparentent presque à du cyclocross. Ah, c'est un mix, hein. C'est vrai que c'est un peu plus grand que le cyclocross, il n'y a pas de planche, hein, mais on voit bien, regardez, faut éviter tous les trous, toutes les plaques. Et alors là, effectivement, avec la pluie, toutes ces plaques sont des pièges. Autant quand il n'y a pas d'eau, on peut juger la profondeur du trou. Autant quand vous avez de l'eau dans un trou, vous ne savez pas de quelle profondeur. Donc il est préférable de ne pas y mettre ses roues. Eh ben, puisqu'on parle de cyclocross, tenez, je vais retrouver tout de suite Mathilde Lazou qui est sur la ligne d'arrivée. Mathilde, je crois que vous êtes avec l'un des druides du cyclocross breton. Ah, exactement, c'est un mythe ici en Bretagne, Patrick Leher, l'organisateur du cyclocross de la Narvilly, qui repart cette année, c'est une bonne nouvelle ? Oui, j'espère que c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. On a fait une petite impasse en janvier 2018, hein. On voulait prendre du recul, respirer un peu, et puis là, enfin, on repart pour la 61e édition le 9 décembre 2018. Pourquoi est-ce que ça repart finalement ? Pourquoi avoir décidé de repartir ? On avait un petit problème, il manquait un peu de bénévoles impliqués, je veux dire, dans l'organisation des courses. Et puis un peu de lassitude de la part du groupe complet. C'est lourd, hein, comme organisation, un championnat de France ou des grandes courses. Donc on voulait prendre un peu de recul et voir comment ça se passe. Bon, maintenant je pense que tout le monde a pris conscience que ce serait quand même dommage d'arrêter le cyclocross à la Narvilly, donc on repart et de plus belle, je pense. Merci beaucoup, rendez-vous en décembre. Ah, très sincèrement, Mathilde, je vous le promets, on y sera, parce que le cyclocross de la Narvilly, je peux vous dire, c'est une organisation exceptionnelle. La Narvilly, on s'en souvient, qui avait accueilli, voilà 2 ans, les championnats de France de la discipline, avec quel brio, et bravo à toute l'équipe de bénévoles qui a bien l'intention de se retrousser les manches pour faire vivre le vélo même en hiver. Il est temps pour nous de tourner une petite page de pub et on revient bien entendu pour le final de cette course. Comme quand j'étais mort. Eclipse, la solution pour clipser vous-même votre terrasse. Rendez-vous sur eclipse.com. Il y a quelques jours, elle avait mal au genou. Mais là, elle n'arrête pas. Voltaren Actigo 2% intense agit localement sur la douleur. Voltaren Actigo 2% intense, une application toutes les 12 heures pour soulager la douleur. Efficacité cliniquement prouvée. Médicament contenant du diclofénac indiqué en cas d'entorse légère ou contusion. Pas avant 15 ans, ne pas utiliser chez la femme enceinte. Est-ce que tu savais qu'il y a une petite nouvelle qui vient de remplacer le docteur Gaillard, notre ophtalmologiste ? Ah non ? Elle est jolie comme un cœur. Tu sais, c'est vraiment bien que tu aies pris rendez-vous. Bon, enfin, tu n'étais pas obligé de m'accompagner non plus. Monsieur Plantin, c'est à vous. Ouais, d'accord. Je suis le remplaçant du docteur Gaillard. Après 10 ans de diabète et même avant, vous pouvez perdre la vue. Pourquoi chercher une autre raison pour faire un fond d'œil ? Parlez-en à votre médecin. Gamma Batterie Steel, c'est comme si c'était fait. Steel, la performance est notre exigence. Et avec la nouvelle tondeuse à batterie Steel, c'est aussi comme si c'était fait. L'arthrose du genou entraîne des difficultés à bouger au quotidien. Or, l'immobilité peut aggraver votre arthrose. Contrairement aux genouillères classiques, le physiostrap est souple, fin et confortable. Il maintient votre genou sans compresser grâce à sa technologie brevetée. Il se glisse sous tous les vêtements et n'entraîne pas de fonte musculaire. Avec le physiostrap, la douleur n'est plus une fatalité. Epitact, satisfait ou remboursé en pharmacie. Ceci est un dispositif médical. Quand on a un client comme Chabal... Romain est là ? Non. Dites-lui que ça va beaucoup mieux. Ah, d'accord. Mieux vaut être efficace. Et pas cher. La preuve, avec le gel Topiflex Muscles et Articulations, à 3,90€ seulement, Laboratoire Evolufarm, la marque des pharmaciens au prix le plus juste.
Salut, c'est Sarah. Pour moi, les talons, c'est juste indispensable quand je sors. Alors, mon astuce pour soulager mes pieds, ce sont les semelles Scholl Active Gel spécial talons hauts. Elles sont faites d'un gel hyper confortable. Le coussinet se cale dans le creux du pied, comme ça, pour plus de confort. C'est fou comme une si petite semelle peut faire une telle différence. Découvrez les semelles Active Gel pour elles de Scholl. Et pour un confort et une protection supplémentaire au niveau des zones sensibles, protection Scholl Party Fit. Quand on vit avec un diabète, il est parfois difficile de rester motivé. Faites de petits changements avec le lecteur de glycémie One Touch Select Plus. Avec son code couleur, vérifiez si ces petits changements vous sont bénéfiques et si vous êtes dans l'objectif. Découvrez One Touch Select Plus et son code couleur chez votre pharmacien. One Touch Select Plus est un dispositif médical de diagnostic in vitro de LifeScan. Consultez la notice. Contactez votre médecin ou votre pharmacien. Sensation de muscles durs comme du bois, comme de la pierre? Gragnon décontractant musculaire. Pour mener la vie dure aux contractures, demandez conseil à votre pharmacien. Pourquoi j'aime le monde? Schwierige Frage. C'est de découvrir quelque chose qui me surprend. Parce que être au monde, c'est merveilleux. There's so much beauty in the world. One lifetime is not enough to see it all. Pour prendre soin de son cœur, on peut marcher, nager, jouer, sauter et aussi tartiner avec Saint-Hubert Oméga 3. Saint-Hubert Oméga 3, l'allié de votre cœur depuis plus de 15 ans. Découvrez aussi Saint-Hubert Oméga 3 sans sel. Saint-Hubert soutient la Fondation de recherche sur l'hypertension artérielle. Retour à l'Anlis sur les routes du Troboléon 2018 avec eh bien, une jonction qui vient de s'opérer. Hein, en fait, c'est une partie. Hein, c'est vrai que sur les 5 devant, 2 ont su résister. Le Belge de l'équipe AG2R, Venenberg, et on voit le coureur français Thomas Bouda de l'équipe Direct Energy qui sort partie de ce groupe. Pour s'isoler, mais on voit que le contre, enfin du moins le gros du peloton maintenant est déjà en point de mire à une centaine de mètres à l'arrière. Personne ne voulait aujourd'hui se faire surprendre. Personne, parce que Damien Godin avait frappé très fort. Et fatalement, avoir Godin à l'avant, il y avait un grand danger. Bah, c'est vrai qu'il sait gagner. Hein. C'est une course qu'il avait l'année dernière. Il avait passé 2 jours de reconnaissance. Il connaît les routes par cœur et puis surtout il est dans une grosse équipe et avec deux hommes de direct énergie à l'avant, on avait intérêt à vite revenir sur ses échappées. Alors Damien Godin avec Stéphane Sauvillier ce matin, vous êtes allé le surprendre au saut du bus. Vous allez voir dans quel état d'esprit Damien était avant le départ. Allez Maxime, allez. J'ai un titre à défendre. Maintenant on a une grosse équipe. Voilà, on est un peu sur notre. Notre déception de Paris-Roubaix, donc je pense que ouais, on va vouloir avec Sylvain, Johan Gene, on a une belle équipe aujourd'hui pour jouer sur la course. Hier on a gagné en plus, donc, ça fait un peu le même scénario que l'an dernier où Julien Loubet avait gagné le Clermont-Terre et derrière on gagne trop gros. Donc si on peut refaire pareil avec Direct Energy, ce serait pas mal. Et on vient de le voir. C'est Thomas Bouda, je crois. Ouais, Thomas Bouda qui vient de chuter dans un virage. Bien que le Troboléon, voilà ça. C'est toujours piégeant. C'est une course qui se joue à pas grand chose. Regarde, Thomas Bouda est à l'avant de la course, tout va bien pour lui. Et là, crac, il chute. Bon, malheureusement, heureusement pour lui, je pense que ça sans gravité, mais on voit que voilà, maintenant il se retrouve. C'est une course d'élimination. Hein, c'est une course qui, on voit bien, ça s'égrène plus par l'arrière que par l'avant. Et voilà, une crevaison. On voit Thomas Bouda, voilà, qui était en échappé il y a de ça une 500aine de mètres et maintenant il se retrouve largué de ce qui reste du peloton. Ils étaient 122 au départ, on peut le rappeler, et quand on voit l'élimination qui se fait par les chutes, les ennuis techniques, les crevaisons, on se rend compte qu'aujourd'hui eh bien, ils vont terminer à combien, 30, 40? Après oui, terminé effectivement, mais on voit qu'à l'avant surtout il y a moins d'une vingtaine de coureurs hein, qui vont pouvoir se ils sont là pour la gagne. Jouer la gagne. Et on voit que Thomas Bouda qui était, comme je vous le disais tout de suite, hein, à l'avant, avec échappé, et se retrouve maintenant largué derrière. Donc c'est une course où il faut être tout le temps attentif, tout le temps sur le qui-vive.
Jamais faire l'effort de trop haut, mais surtout toujours prendre la course dans le bon sens. Et Thomas Bouda, il va et devoir voilà, refaire voilà, voilà, avec on lui. Voit encore une fois voilà, le Belge Vennenberg, voilà, c'est qui vient de chuter juste derrière, et on voit encore une fois que la course ne profite pas aux attaquants hein, aujourd'hui. Et on le voit le. Allez, les raté son virage, c'est vrai que sont très gras et très dangereux pour les coureurs. Il faut beaucoup se méfier. Alors Thomas Bouda, bien entendu. Ce qui est certain, c'est qu'il va peut-être prendre son temps, on est encore à 30 km de l'arrivée, mais il va tout faire pour revenir sur ce groupe parce qu'il va être un précieux secours, un précieux renfort pour Damien Godin. Là, il y a une course d'équipe qui va bien entendu se jouer, même si sur les secteurs empierrés, eh bien c'est difficile de jouer une véritable stratégie. Il faut éviter les pièges des chemins, les cailloux, les crevaisons. Il faut avoir de la chance pour s'illustrer sur un Trobreléon. Vous aviez fait troisième, vous l'année, dites-moi. J'ai vu ça dans la Gazette locale. Ouais, troisième, c'est vrai que troisième, quatrième, même cinquième. Enfin, donc j'étais rentré trois fois dans le 5. Malheureusement, je n'ai jamais pu lever les bras ici, même à la Nice. Il m'a manqué toujours ces petites choses. Mais voilà, c'est une course que j'aimais bien parce qu'il fallait tout le temps être sur le qui-vive, fallait tout le temps être concentré, être de l'avant, et c'est ce qui me correspondait le mieux. Et on voit bien que bah voilà, c'est une course qui se faisait par l'arrière, et il fallait tout le temps, fallait jamais être attentif. Jamais relâcher son effort, toujours être très, très vigilant, très, très lucide, parce que c'est aussi dans les moments de fatigue qu'on peut faire une mauvaise trajectoire et... Et là, c'est vraiment. Voilà, on voit les coureurs derrière qui se font rejeter au fur et à mesure des difficultés. Là, c'est Brian Nolo, coureur Direct Energy, qui s'est fait éjecter à chaque ribbon quasiment. Ils étaient 23 à l'entrée de ce ribbon, ils sont plus qu'une vingtaine maintenant, puisque trois coureurs se sont fait larguer. Et on voit bien même qu'à l'avant, ce sont des petits groupes de 7-8 qui se reforment. Alors les coureurs. Vont forcément rentrer, mais c'est des efforts que vous faites à chaque fois pour boucher les trous. C'est des efforts violents. Et c'est celui qui aura le moins bouché de trous à la fin qui aura le plus de force pour gagner sur cette ligne d'arrivée. Mais à l'avant, on voit bien, on s'observe. Personne ne veut véritablement lancer la vraie banderille. Et on voit bien derrière, les coureurs sont en sprint hein, quasiment pour boucher le trou. Il y a tous ces petits sprints que vous faites. Bah, c'est des forces que vous gaspillez pour rien. Et on voit bien que Damien Godin, là, le coureur qui était échappé tout à l'heure, le vainqueur sortant, qui se fait larguer maintenant à son tour. Il pioche, oui. Damien, il pioche. Et pourtant, il y a des parties roulantes. On peut penser qu'on peut se refaire un peu la cerise, mais c'est bien plus compliqué que cela. Ouais. Un parcours aussi exigeant que l'est le Trobreléon. Voilà, le coureur, un nouveau coureur de Groupama FDJ qui essaie de faire le forcing pour s'isoler. Et on voit Damien Godin. Il va revenir Le petit groupe qui est là, et on voit bien que derrière les petites unités de coureurs qui se font éjecter du groupe. Damien Godin qui essaie de faire l'effort pour rentrer, mais voilà, les efforts qu'il fait maintenant, il ne pourra pas les faire sur le final, et c'est peut-être ce qui lui manquera pour faire le doublé aujourd'hui. Mais quel rouleur. C'est quelqu'un qui avait aussi brillé sur une étape du Tour de Bretagne. Il était parti dès le matin tout seul comme un grand, et il avait vraiment tenu en respect l'ensemble du peloton. C'est quelqu'un qui sait maintenir une cadence. Voilà, et on découvre cette côte des légendes merveilleuse, marbrée par un soleil qui joue au chat et la souris. Et là, on est un peu aux Seychelles quand même. Et merveilleux. Et quelques degrés de plus dans l'eau, je pense. C'est un détail. Très belle région des Abers, où vraiment toute une communauté se mobilise pour organiser cette course. Les coureurs qui vont rentrer dans le 23e secteur, le secteur Kerrado, de 700 mètres, en légère montée, et après qui vont surtout aller chercher le secteur numéro 24. Ils ont déjà emprunté, hein. C'est celui où on a vu tout à l'heure avec le château, et c'est surtout ce long faux plat montant où on risque de voir au moins le vainqueur potentiel se dégager. Je pense que c'est vraiment ce secteur, le prochain, pas celui-ci où sont les coureurs maintenant, mais le secteur suivant
où les coureurs vont vraiment faire le vainqueur pourra vraiment faire la différence pour s'isoler. Alors qu'on voit en tête Mathieu Ladanius qui mène le tempo. Et qui est en forme, Mathieu Ladanius. Et on le voit, c'est Ribine avec la bande herbeuse au milieu. Eh bien, il rend hommage à l'agriculture de toute une région qui participe pleinement et entièrement aussi à l'organisation de cette course entre terre et mer. Voilà, il a fait l'effort, il va s'alimenter, Damien Godin, parce qu'il faut reprendre un petit peu d'énergie. Il n'y a rien de pire qu'une fringale quand on est sur un vélo. Et là devant, on tente eh bien, de jouer les filles de l'air. Il y a trois coureurs qui tentent de s'en aller. Il y a, on voit un Fortunéo. Il me semble pas. Et on voit bien, de toute façon, on voit bien que dans ce groupe, plusieurs équipes ont plusieurs coureurs. Et ça va être un jeu à la souris. Hein. C'est, faudra surtout toujours avoir un coureur de son équipe à l'avant pour pouvoir faire l'effort devant, derrière. Et on voit qu'à chaque fois qu'une équipe n'est pas représentée, bah, c'est son équipe qui relance. On voit voilà, l'équipe. Derrière Groupama FDJ qui a vu ce groupe, ce petit quatuor s'extirper, bah, faire l'effort derrière pour ne pas laisser s'échapper. Mais là c'est dur. Sur la partie qu'ils ont choisie, c'est peut-être pas facile de creuser véritablement un écart. Parce qu'on le voit derrière, on est quand même assez vigilant et on devrait quand même revenir assez rapidement sur ces quatre-là. Alors rapidement, on voit que quand même derrière ça temporise. Hein. On voit qu'il y a aussi l'équipe Fortunéo Samsic qui a personne dans ces quatre coureurs. L'équipe Cofidis, l'équipe Direct Energy. On voit Damien Godin qui n'est toujours pas rentré hein, sur ce petit groupe et qui fait l'effort. On l'a dit hein, au départ, beaucoup de vent aujourd'hui. Le vent s'est levé et donc ça rend encore plus difficile cette course. Alors qu'à l'avant, le groupe de quatre. L'air de bien s'entendre. On a du mal à distinguer les coureurs. Que Damien il a besoin de s'alimenter. Il a perdu peut-être beaucoup de force dans ses tentatives de recoller régulièrement au peloton. Devant, on commence à y croire. On a creusé un trou de 100 mètres, 200 mètres peut-être. Et on se dit que c'est peut-être là que va se jouer la décision pour cette édition 2018 du Trobreléon. On est à 25 km de l'arrivée. Il reste, je vous le rassure, quelques jolis ribinous à parcourir. Ah, surtout celui dont le plus long, un des plus longs. Hein. Le secteur de Quérandran avec notamment ce long faux plat montant pour aller chercher la fermette. C'est l'un des plus durs. C'est un des plus durs et voilà, là on voit que les quatre coureurs vont certainement rentrer. Dans ce secteur dans les premiers et derrière des coureurs vont essayer de faire l'effort dans ce secteur pour rentrer sur ce quatuor et on voit qu'il n'y a plus beaucoup de coureurs hein, maintenant à l'avant hein. On voit deux coureurs de Cofidis, deux coureurs de la Française des Jeux, un coureur de Direct Energy. Ça va être une course de mano à mano et dans les coéquipiers de Damien Godin eh bien il y avait quelqu'un qui a pourtant tellement brillé ici à la Nice hein. On a une petite pensée pour Sylvain Chavanel qui a encore une fois pas été gâté aujourd'hui. Maintenant Sylvain Chavanel qui a subi une chute à mi-course. Et pourtant il espérait beaucoup aujourd'hui. Malheureusement, on ne le voit pas dans le final. Bah oui, pour Sylvain Chavanel, on l'a rencontré au départ et vous allez voir, lui, bien, il nourrissait de belles ambitions sur ses routes où il avait triomphé du contre-la-montre en 2013. On va l'écouter Sylvain Chavanel. J'ai sauté sur l'occasion de revenir sur Trobreléon parce que c'est une course qui me plaît, qui sort de l'ordinaire, qu'on n'a pas l'habitude de faire le reste de l'année. Donc c'est l'occasion, j'espère, d'aller chercher un résultat parce que à Paris-Roubaix, j'avais de bonnes sensations et j'ai malheureusement encore un manque de réussite. Voilà, j'espère que la roue va tourner parce que je tourne autour depuis le début de saison et je mérite au moins de gagner avant le Tour de France. Donc voilà, je suis très motivé aujourd'hui. Motivé et pas récompensé parce que malheureusement, lui aussi, il a chuté. Il a été victime de pas mal d'ennuis, pas mal de déboires. Mais c'est un petit peu son début de saison à Sylvain Chavanel. Il n'a pas beaucoup de chance. C'est vrai que, comme il dit, hein, il marche bien en ce moment, mais malheureusement, il n'a pas eu la chance avec lui. Et aujourd'hui, ça n'a pas été le cas non plus, alors qu'on voit
les coureurs de tête qui sont qui ont pas beaucoup d'avance hein, mais ces petites centaines de mètres, et on voit surtout bien qu'ils arrivent à très très bien collaborer ensemble. Et là encore, quand il faut relancer à l'attaque d'un ribbing comme celui-là, après plus de 180 km de course, ça fait mal. C'est très dur. On voit bien le ribbing hein, légèrement en faux plat, en bosse même. Et on voit que derrière, les coureurs font l'effort pour rentrer tout de suite sur les coureurs à l'avant. Et on va être à main commun. Bah, tout à l'heure, il n'y a pas de secret. Hein, de toute façon, s'il s'est fait lâcher une fois, il n'y a pas de raison pour qu'en moins de 10 km, ils reprennent des forces. Et on le revoit un des premiers lâchés dans ce nouveau secteur. Et derrière, on voit bien c'est un coureur de l'équipe Team Fortino Samsic qui fait l'effort pour rentrer et pas représenter à l'avant. Et Damien Godin, il fait le choix à chaque fois d'emmener de très gros développements. C'est un peu sa marque de fabrique à Damien Godin. C'est un gros gabarit, hein, très très puissant. C'est sa façon de pédaler. On pense qu'il pioche. Je pense que l'année dernière, c'est que cette heure, il avait exactement la même position, exactement le même braquet, sauf qu'il était en tête avec pas loin d'une minute d'avance. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Il était sans doute un peu plus fluide, mais je reste persuadé que ce garçon, qui sait, se met peut-être un petit peu à l'abri. C'est un stratège, Damien Godin. Ouais, enfin, le stratège, c'est quand même de rester dans le groupe. Oui, mais voilà. C'est jamais. On voit qu'il essaie de faire l'effort revenir dans la route, sur la route, dans les roues, pour profiter justement de l'abri, un maximum d'abri. Oui. Parce qu'on l'a précisé, hein, beaucoup de vent aujourd'hui. On voit bien qu'il a du mal. Hein. Il craque quasiment. Il pioche compliqué pour lui pour la fin de course. Et on voit que les quatre coureurs devant se sont fait rattraper. C'est toujours le coureur de l'équipe AG2R. Vandenberg qui mène ce groupe maintenant. Hein. On voit bien 5, 6, une quinzaine d'éléments. Et la pluie qui s'invite sur la ligne d'arrivée où nous nous situons. Les premiers parapluies sont en train de s'ouvrir. Et malheureusement, on aura peut-être une route légèrement humide tout à l'heure à l'arrivée des coureurs. À moins que ce ne soit que passager, mais bon. Ah, je pense que c'est qu'une inverse. Hein. À mon avis, ça risque juste de mouiller les coureurs et les spectateurs. Un peu la route. Ça ne devrait pas durer. Alors que on voit que ça temporise à l'avant. Hop, un nouvel coureur d'AG2R. Voilà, c'est Cyril Gauthier. Cyril Gauthier ce gros week-end, essaie de faire le forcing avec Mathieu Ladanius à l'arrière. Il me semble que c'est même Christophe Laporte. On voit bien, hein, c'est les leaders de quasiment des équipes qui se mettent maintenant, qui se dévoilent à moins de 20 km de l'arrivée. Là, Cyril Gauthier qui n'a pas réussi à faire le forcing. Laurent Pichon notamment qui est encore là. Mais c'est vrai qu'il y a des équipes aujourd'hui qui ont tout intérêt à marquer des points parce que c'est une manche de Coupe de France, on ne l'oublie pas. Et pour le classement par équipe de cette Coupe de France, eh bien c'est important de bien figurer. Voilà le classement qui se fait sur les trois premiers de chaque équipe. C'est vrai que là aucune équipe a trois coureurs en tête. Donc d'où l'importance à l'arrière d'avoir ses équipiers qui terminent cette course. Et on le voit, AG2R justement est en tête de cette Coupe de France, d'où l'attaque aussi de Cyril Gauthier. Cofidis est juste derrière, Groupama en embuscade, Direct Energy 4 qui est en train de refaire un retour important au classement. On se souvient que l'an dernier c'est Fortuneo qui avait emporté le classement à la fois par équipe et individuel avec Laurent Pichon qui l'avait emporté de la plus belle des manières en triomphant par trois fois, si je ne m'abuse, sur des manches de Coupe de France. Et donc cette année, AG2R est bien parti, mais rien n'est fait, rien n'est joué. On voit que les coureurs ont à leur tour la pluie maintenant. Et Anthony Delaplace qui... il me semble bien que ce soit Anthony Delaplace. Qui essaie de. Voilà, c'est bien effectivement Anthony Delaplace qui fait le forcing. Qui a Laurent Pichon, qui sait que Laurent Pichon est dans ce groupe.
Et je pense qu'il va tout faire, Hofstetter aussi. On voit bien là, le coureur de Cofidis qui est là, le leader de la Coupe de France. En tenant la place, c'est un vrai guerrier. Voilà. Il avait été magistral. Une nouvelle attaque de Cyril Gauthier, suivi de Bruno Admirail, je pense, et Laurent Pichon. Voilà les trois coureurs qui ont essayé d'extirper alors que un coureur de Roubaix-Lille Métropole essaie à son tour de rentrer. Et on voit bien, regardez, Cyril Gauthier, l'attaque tranchante de Cyril Gauthier. Elle a fait du mal. Oui. Elle a fait derrière, du mal. Derrière, on essaye de s'organiser, de réagir. Et là, c'est l'équipe Cofidis qui doit absolument réagir. Cofidis qui a deux coureurs derrière, mais qui doit. Voilà, on voit bien Hofstetter, je pense, qui doit rouler pour. Même s'il est leader de cette Coupe de France. Et le meilleur sprinter dans l'équipe, c'est Christophe Laporte. Et on voit le coureur de Lille Métropole qui essaie de faire la jonction. Trois coureurs à l'avant qui se relaient. Alors ces trois-là, s'ils font véritablement à un moment donné de la course le trou, ça peut être de véritables prétendants à la victoire. Et on voit que derrière ça se regarde. Hein, et derrière ça se regarde, ça temporise et ça, voilà, ça peut être très dangereux et profiter aux hommes de tête. Il peut y avoir une première sélection qui va s'opérer dans les prochains kilomètres. On est à 20 km de l'arrivée. Là, Cyril Gauthier hein, qui fait le forcing. On a dit, hein, il est chez lui. Normalement, c'est un coureur qui fait plus les Ardennaises, mais cette année, il a décidé d'avoir un calendrier plus breton pour pouvoir courir à domicile. On l'a vu à la présentation. Pour la petite anecdote, il était avec son fils qui était lui aussi sur un tout petit vélo. Ah, il adore présenter son petit garçon, Cyril. Il est très papa. Voilà, il est venu courir en famille. Ce soir, il rentrera à la maison en famille. Et voilà, il. Pourquoi pas avec un petit cochon. Ouais, un petit cochon, un bouquet, ce serait pas mal pour Cyril. Je suis sûr qu'il a un break en plus. Alors la sélection va-t-elle s'opérer sous la pluie qui s'invite? Voilà, on va voir les coureurs qui vont revenir hein, sur le château de Carentran. Et ce long faux plat, ce long ribine de 1900 mètres qui risque de faire beaucoup de dégâts. Et oui, parce que maintenant, inévitablement, on devrait avoir le vainqueur qui devrait virer dans les premiers. Et on doit rendre aussi un coup de chapeau à nos équipes techniques, hein, parce que nos motards qui sont sur la course pour faire parvenir jusqu'à chez vous ces images superbes, ces paysages magnifiques, eh bien c'est un vrai sport aussi hein, d'être sur une moto pour filmer une course comme celle-ci. Chapeau à eux. Voilà, on voit qu'à l'arrière, l'équipe Cofidis a fait le forcing, a fait le jump. Il semble que c'est Christophe Laporte qui a fait la jonction. Attention, hein, c'est vrai qu'il est important à chaque équipe de ne pas se faire piéger. Et on voit que Damien Godin ne rend pas les armes. Hein. Il s'accroche, il fait tout ce qu'il peut pour être à l'arrière de ce deuxième peloton. Pour Damien. Ouais, ça va être dur, on voit qu'il a, du mal. Il a le masque. Hein. Je crois qu'il a lâché beaucoup de force. Il a tenté de s'alimenter à plusieurs reprises. De reprendre des forces, mais là j'ai l'impression que ça va être compliqué de jouer la gagne. C'est vrai qu'il y a une vingtaine de kilomètres, il était échappé avec Thomas Bouda à 4, et on voit que 20 km plus loin, Thomas Bouda a raté un virage et lui il a du mal à rester dans le groupe de tête. Alors attention aux chutes, bien sûr, quand on va rentrer sur des parties où il y a moins d'asphalte, et moins de poussière. On arrive dans le secteur de Carentran avec le château. Et là, ça peut glisser. Attention. On voit bien que les coureurs sont prudents à l'avant. Hein, Cyril Gauthier. Là, il faut gérer sa fin de course. Voilà. Et là, on arrive. Là, c'est vrai que c'est un secteur qui, au début, est beaucoup de terre. Et avec la pluie, va le rendre très gras. Il est important de prendre la bonne trajectoire et d'être à l'avant. On voit bien que voilà, le terrain est très meuble. Hein. Ah oui, là il est. C'est vraiment très gras. C'est de toute façon, il est très ombragé. Et c'est une partie qui est vraiment moins roulante. Alors, on s'est posé la question, est-ce que les coureurs ont un petit peu sous-gonflé pour passer ces ribines? À votre avis, vous qui êtes le spécialiste Lilian, non, aujourd'hui, c'était pas la peine de sous-gonfler. À sous-gonfler, c'est compliqué. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de route au début pendant les 100 premiers kilomètres. Donc non, je pense que voilà, les coureurs généralement sont tous à boyaux, ils doivent tout gonfler à peu près à 8, 8,5. Et ouais, ils ont peut-être enlevé un bar, donc 7,5.
Mais je pense que c'est important aussi de garder suffisamment de pression pour avoir du rendement sur la route. Car il faudra quand même rallier l'arrivée. Et après, c'est pas comme sur Paris-Roubaix où les pavés tapent vraiment. Voilà, là, c'est plus l'asphalte qui est dégradé. Et les coureurs vont pas forcément avoir plus de chercher à avoir plus de confort. Et voilà, passer ce château aussi magnifique, qui est une illustration aussi du Trobreléon. Voilà, là, c'est la partie descendante hein, de ce Rébine, où ils vont aller passer sous le petit pont. Et après, ils vont remonter sur la gauche. Et ça va remonter pendant 400 mètres. On l'a vu tout à l'heure. Hein, c'est là où le peloton a quasiment explosé. Là, c'est très dur. C'est une partie très, très dure. Déjà, la première ascension a fait beaucoup de mal. C'est un très, très long faux plat montant. Et là, on peut dire que les garçons, les rescapés de ce Trobro sont un peu à la planche. Ah bah, ça va jouer la cuisse. Hein. C'est vrai que c'est vraiment les jambes qui vont parler. Et on risque de voir... Ce groupe complètement explosé. Voilà, on y est sous le pont, là on va virer en haut à gauche, voilà là, ce virage. Et à partir de là, vous virez quasiment à l'arrêt hein, parce que c'est très très gras, donc il ne faut pas arriver trop vite. Et de l'arrêt, vous allez aller chercher la montée. Vous voyez déjà entre les premiers et les derniers, il y a quasiment 50 une mètres. Trentaine de mètres. Voilà Damien Godin là, qui vire avec 50 mètres de retard. Et là, il faut aller monter jusqu'en haut. Et on voit le cours norvégien du team Joker Icopal faire l'effort. Et là on est en apnée. Voilà, le coureur de Wanty Goubert derrière. Et c'est souvent là que peut se jouer aussi. Je pense que c'est là que le vainqueur faudra forcément virer dans les premiers pour gagner aujourd'hui à la Nélis. Le truc peut se faire sur ce secteur, mais il reste malgré tout 16 km. Et quelques difficultés aussi dans le final à l'approche du circuit. Et on voit ce vent, hein, ce vent qui s'est levé. Le vent a été omniprésent aujourd'hui. Il a sûrement été une difficulté supplémentaire pour les coureurs. Allez, on voit les coureurs. Hein, et là on voit, c'est très très dur, voilà, c'est très cassant. Toujours cette élimination par l'arrière. Ouais, toujours. Que inévitablement vous pouvez éjecter. Voilà, il y en a même qui mettent pied à terre parce que fatalement il y a peut-être des crevaisons, des ennuis mécaniques, des cailloux qui. Voilà, on voit comment. Voilà, là c'est. On jette dans les dérailleurs. Et maintenant c'est des petits groupes de 3 ou 4 qui se forment et au fur et à mesure on va bien le coureur de. Et là encore on a l'impression que c'est Anthony de la Place qui fait bonne garde parce que devant on tente de s'extirper. C'est le coureur Ramus Tyler qui est à l'avant de cette course. Et derrière, vous voyez un groupe de 4, puis un groupe de 2. Voilà, c'est tous ces petits groupes qui vont reformer un gros groupe. Et, on le voit dans les trajectoires, hein, tout le monde est excessivement prudent parce qu'on sait que désormais la route est particulièrement glissante. Allez, ils étaient 17 hein, à l'entrée de ce Rébine et on voit bien ils sont plus que donc un coureur devant et derrière moins d'une dizaine de coureurs hein. Et toujours le coureur Tyler de l'équipe Joker. Alors au-delà des ambitions personnelles, les Bretons ils ont envie de briller aussi parce que les deux équipes bretonnes en ce début de saison elles ont quand même on peut le dire un peu de mal à performer. C'est pas la saison de l'an dernier. C'est vrai que déjà on a une nouvelle équipe bretonne hein, Vital Concept qui est sur la course. Malheureusement, on ne les a pas vus à l'avant. Et puis, l'équipe Team Fortineo Samsic, qui a recruté Warren Barguil, qui mise tout une grosse partie de sa saison sur le Tour de France. C'est vrai que l'équipe n'a pas forcément trusté autant de victoires que l'année dernière. C'est vrai que le Trobreléon n'a jamais réussi à cette équipe. Mais c'est pas faute d'avoir essayé, mais c'est avec beaucoup d'accessis, un nombre au podium, mais malheureusement, il n'y a jamais eu la gagne. Et on le rappelle, le dernier breton en date, hein, c'est Frédéric Guédon, tout simplement, qui lui-même avait aussi gagné une course prestigieuse, combien ? C'était le Paris-Roubaix. Et on voit derrière
dizaine de coureurs qui essaient de s'organiser. Voilà, ça tourne. Là, ils y arrivent. On voit toujours des cassures, hein, des coureurs qui font des cassures. Et le coureur de Team Joker, le Tyler Rasmus, qui ne se pose pas de questions. Qui veut tenter crânement sa chance. 15 km de l'arrivée. Et c'est vrai que sur un circuit comme ça, avec des routes glissantes, le fait qu'un coureur tout seul n'est pas forcément désavantagé. Mais derrière, on va certainement réagir. Correctement. Alors, derrière, on devrait réagir. Je pense que des... Il y a deux coureurs de la Française des Jeux, enfin de France, de la FDJ Groupama. Un coureur de Marseille. Je crois qu'il y a deux unités pour la Fortuneo. Il me semble avoir vu Laurent Pichon. Laurent Pichon a tenu la place. Sans pas l'avoir vu. Ce sont des moments importants. C'est là, c'est dans ces derniers kilomètres. En général, la décision se fait, bien entendu. Il y a eu beaucoup d'efforts, beaucoup de tentatives, beaucoup de malchance, des chutes aussi. Donc, on peut parler, à l'issue, sur le final d'une course comme celle-là, de véritables rescapés. Ouais, on a vu Mathieu Ladanius, toujours le coureur de Tartoletto. Et le coureur à l'avant, le champion de Norvège, qui ne se pose pas de questions, non, qui donne tout. Ouais. Qui se dit qu'aujourd'hui, peut-être, c'est son jour. Un vrai coup à jouer. Alors, on voit toujours Cyril Gauthier, hein, en 3-4, deuxième position, là. Mais c'est maintenant que derrière, on doit réagir. Parce que si l'écart se creuse, ça va être très difficile de revenir, surtout si on continue effectivement de s'observer un peu. Et c'est Cyril Gauthier qui fait l'effort, qui essaye de ramener tout le monde. Mais il va lui falloir des renforts à Cyril Gauthier pour revenir sur ce garçon qui a l'air de vouloir emmener un bon braquet, de tenter sa chance crânement sans se retourner, sans s'inquiéter de savoir ce que font les hommes derrière. Et c'est comme ça qu'on creuse l'écart. Ne jamais se retourner, se dire que bon, croire en sa chance et tout tenter, puisque maintenant, ça y est, nous sommes à 13 km de l'arrivée. 13 km, on va bientôt arriver sur le circuit final, à parcourir deux fois, deux boucles. Et 15 secondes d'avance, voilà le on se parle beaucoup et on voit que derrière, c'est encore Cyril Gauthier qui réclame du renfort, qui réclame des relais, mais on a du mal, même du côté de la Cofidis, à vouloir s'engager. C'est dommage, parce que là, il y a un vrai coup à jouer. On est en train peut-être de laisser partir tout seul le futur vainqueur du Trobroléon. Christophe Laporte, hein, qui mène ce groupe. Avec on serait Olivier Le Gat. À moins que ça soit c'est vrai qu'on a du mal à les reconnaître. Ça doit être Benjamin Toba ou Bruno Amirail, puisqu'on a vu Mathieu Ladanius de la FDJ. On voit que le temps se dégrade, hein, sur le circuit. Là, ils vont virer à gauche sur le Ribine du circuit final. Donc à parcourir, il restera trois ribines à passer. Et là, sur les derniers, eh bien, effectivement, on va être de moins en moins en point de mire. C'est un avantage pour celui qui s'est porté à l'avant. C'est vrai que le circuit est extrêmement sinueux, hein, sur la ligne lisse. Et on voit bien, hein, que voilà, le coureur à l'avant est très prudent. Et c'est pas un désavantage, hein, justement, d'avoir des routes glissantes comme ça quand vous êtes tout seul, parce que derrière, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile pour s'organiser. Et donc ça casse un peu l'organisation générale du groupe. On est moins dépendant de ça, on est beaucoup plus dépendant de sa trajectoire par rapport, bien entendu, aux coureurs qui sont à côté de vous.
C'est même préférable d'être à l'avant pour avoir sa meilleure, pouvoir suivre. Ce sera d'ailleurs un des enseignements du Tour de France qui viendra le 5 juillet du côté de Quimper. Romain Bardet qui a repéré le parcours, les 40 derniers kilomètres de cette étape, a remarqué qu'il y avait des routes qui étaient particulièrement étroites et les leaders devront sans doute se méfier et se porter à l'avant pour ne pas avoir à subir la course et peut-être de trop grands écarts à l'arrivée. Alors on voit que Laurent Pichon est toujours en présent dans ce groupe. 9 poursuivants, un homme à l'avant, 11 secondes d'avance, l'écart qui diminue légèrement. Et un groupe derrière qui est tout le temps. Qui a plutôt une bonne configuration. Hein. Plus un groupe est tiré, enfin en ligne droite, aligné, ça veut dire que le groupe est organisé, plus le groupe forme une boule, moins forcément il va vite. En tout cas, on aura eu toutes les saisons sur cette édition 2018 du Trombe-Léon. Ce matin, on a eu énormément de vent, un peu de froid, un ciel chargé. Cet après-midi, du soleil qui a été de la partie avec nous jusqu'à la prise d'antenne. Et puis là, on le voit malheureusement, la pluie qui va peut-être contrarier l'arrivée, contrarier en tout cas le final de ce Trobro qui reste de toute façon une course où il faut lutter avec les éléments, lutter avec le parcours exigeant. Et c'est de toute façon, chaque année, quoi qu'il en soit, un homme fort qui s'impose. Quand vous êtes norvégien, vous êtes habitué à ce genre de conditions rudes. Je pense que c'est pas pour le déplaire d'avoir ce type de terrain, ce type de conditions climatiques. Et on voit qu'il a repris 5 secondes là, sur la sortie du Ribin. Alors parmi tous ces garçons qui pourraient éventuellement revenir, on a un écart, 16 secondes, c'est rien, c'est un souffle, mais encore faut-il recoller. Et selon vous, Lilian, parmi tous ces garçons qui sont en embuscade derrière, est-ce qu'il y a en cas d'arrivée au sprint un candidat sérieux? Attention, regardez le coureur à l'avant qui a chuté. On voit hein, encore une fois. Voilà, encore une fois, voilà, c'est manque d'attention. Et voilà, tu vas relancer totalement la course. Et les coureurs derrière qui vont pouvoir rentrer. Et ça. Et voilà, ils sont juste derrière. Les coureurs vont forcément faire attention. Cyril Gauthier qui relance. Et le coureur qui est repris par le groupe de chasse. Et voilà, les cartes sont aidées. Tout est relancé. Les cartes sont rebattues, effectivement. Parce que quand on a une chute comme ça, c'est dur de repartir. On a le moral qui en prend un gros coup. Et ça relance. Et on voit, il a dû glisser sur la ligne blanche. Il a glissé, effectivement. Ah non, il a glissé même de l'arrière. Il a failli se reprendre, malheureusement. Et voilà, ça relance. Et ils vont arriver devant nous. Ils vont arriver très prochainement. Ils sont dans le bas de la ligne d'arrivée. Ils vont arriver sur... Ils sont engagés sur ce circuit final. Et là, cette fois, comme on vous le disait il y a un instant, les cartes sont rebattues. Et on voit Laurent Pichon qui est aux avant-postes et qui a bien envie, cette fois-ci, de terminer en tête de ce Trobro. Et c'est Christophe Laporte qui emmène un des coureurs les plus rapides. Et là on voit, c'est le coureur de la Française des Jeux qui relance. Suivi de Cyril Gauthier, Christophe Laporte. Christophe Laporte est parti. Et on voit que Laurent Pichon a du mal à faire l'effort pour rentrer. Avec Laurent Pichon qui est tout seul, hein, il n'y reste plus qu'il est de son équipe alors que... il y a deux coureurs de Cofidis, deux coureurs de la Française des Jeux. Et Cyril Gauthier a l'air d'avoir la soquette légère aujourd'hui, on le sent. Ah, c'est vrai que contrairement à ce qu'il pouvait nous dire ce matin avant le départ, il a plus de bonnes jambes. Et on voit que derrière, Laurent Pichon va quand même réussir à recoller. Et on voit que il y a toujours ces petits écarts entre groupes. On voit que les coureurs sont quand même très fatigués. C'est difficile de tenir les roues de coureur qui est juste devant vous. Et puis on le rappelle, il y avait quand même 33 km de Ribin. Ça fait mal. Christophe Laporte qui fait l'effort. Alors Christophe Laporte, en cas d'arrivée au sprint, bien entendu, c'est un client.
Christophe Laporte, off Totter aussi, hein, qui est un très bon coureur, hein, très, on l'a dit, hein, leader de la Coupe de France, qui a marqué des points, qui a fait un top 10 dans les, sur 6 manches dans les 8 premières. 6 manches de la Coupe de France, notamment deuxième du Grand Prix de Denain, troisième de la Route Orangelle, les courses qui sont arrivées en sprint massif. Donc c'est un très très bon sprinter. Donc Cofidis a les meilleures armes aujourd'hui pour lever les bras. Et Anthony de la Place est encore à l'arrière. Anthony de la Place est encore ferme la marche de ce. Exact, de ce Anthony de la Place est encore toujours présent dans ce groupe. Et il peut peut-être apporter un peu de frais à son coéquipier dans le final. De toute façon, ça va être un jeu d'équipe. Hein. Quasiment toutes les grosses équipes ont deux coureurs. Deux équipes de la Française, deux coureurs de la Française des Jeux, deux coureurs de Cofidis, deux coureurs de Fortinet Samsic. On voit bien que c'est eux qui vont avoir la mainmise et c'est eux qui vont faire, alors que Hoftefer essaie de faire la différence. Et c'est bien Olivier Legac, hein, de l'équipe Groupama FDJ qui est présent. Olivier Legac, c'est un local qui est il est à domicile, Olivier. Lui aussi il en rêve. Lui aussi depuis des années il en rêve de briller sur ce Trobroléon. À chaque fois qu'il y vient, il espère performer. Et voilà, c'est Christophe Laporte, Cyril Gauthier qui à son tour refait l'effort. Christophe Laporte qui rattaque. Alors on voit Hoftetter qui va essayer de garder les roues. Là on va arriver sur le ribbon du circuit. Attention, il restera un tour sur la ligne alors qu'on voit que Damien Godin est revenu dans ce groupe. Et oui, Damien Godin n'a toujours pas lâché l'affaire. Non, il emmène un bon développement depuis longtemps et c'est ce qui me surprend parce que quand on va pas bien du tout, on lâche quelques dents en général. Et voilà. Et on voit Christophe Laporte, un ancien vététiste, hein, Christophe Laporte, qui va essayer de faire la différence. Mais attention, on l'a vu, faut être très prudent sur ce Trobroléon. Beaucoup de chutes, notamment les coureurs à l'avant, parce qu'ils ont essayé d'aller trop vite, de prendre des risques. Mais on voit Christophe Laporte est à son aise, hein, sur ce genre de secteur. Il relance tout de suite à la sortie de ce S. Et on voit trois coureurs qui s'extirpent. Et ce parcours, il est compliqué, hein, pour les coureurs à négocier à chaque fois. Il faut vraiment jouer de prudence. Et on voit Damien Godin, il a toujours du mal à recoller, à relancer. Et voilà, c'est toujours un des premiers à sauter de ce groupe. On est à moins de 7 km de l'arrivée. Et là, il va y avoir une belle explication. Je pense qu'on va essayer de, malgré tout quand même, de sortir. Je pense qu'il va y avoir quand même des tentatives sur le final. Il y a Cyril Gauthier qui est toujours aux avant-postes. Il occupe une position où on s'évite des problèmes. Vous l'aviez dit tout à l'heure, pour les trajectoires notamment, c'est important d'être à l'avant. Au courage. Et on voit le soleil qui revient pour l'arrivée. Courage des forces. Et devant, ça se regarde. Ça se regarde beaucoup. Christophe Laforte, hein, qui sent qu'il doit avoir de bonnes jambes. Hein. Il sent bien. Je pense qu'il a dû discuter avec son coéquipier Hugo Hoftetter, qu'on n'a vu pas forcément à son aise. Et donc Christophe Laporte, il va essayer de s'échapper et de profiter d'avoir un coureur derrière qui va essayer de faire barrage justement en contre-attaque. En tout cas, Damien Godin ne lâche pas l'affaire. Hein. Il veut vraiment recoller, finir dans le paquet au moins. C'est la fierté du vainqueur qu'il était l'an passé. Laporte et Cyril Gauthier qui essaient de nouveau de repartir. Ils veulent durcir à l'avant, essayer de. Ah, c'est eux qui montent la plus grosse impression, hein, Christophe Laporte qui en remet un coup. Lui, le sprinter qui va essayer de gagner en solitaire comme il a pu le faire au Tour de Vendée en 2016. Alors qu'un groupe de Wanty Goubert essaie de prendre sa roue. Ouais, il y a quelqu'un de Direct Energy aussi qui est sorti. Je pense qu'il n'y a plus de coureur de Direct Energy. Je pense que c'est juste derrière, c'est Wanty Goubert. Ouais. Et après, c'est un coureur de Marseille. Delco Marseille-Provence KTM. Attention, le virage là où tout à l'heure avait chuté le coureur Tyler Ramsus de l'équipe Joker. Là, pas de soucis pour les coureurs en tête. Damien Godin, toujours à quelques mètres derrière. Voilà, ces bandes blanches qui sont souvent. Et on va attaquer le dernier tour de circuit. Particulièrement. Christophe Laporte
Voilà. Alors, derrière, Christophe Laporte tente de faire ça le. Ne réagit pas derrière à l'arrière. Et là, c'est tout de suite qu'il faut réagir parce que à 5 km de l'arrivée, un garçon comme Laporte, il est capable de partir chercher le bouquet de fleurs. Alors, on l'a vu, hein, c'est un sprinter qui sait gagner en solitaire. Il sait qu'il est aussi capable de le faire puisqu'il l'a gagné, comme je vous le disais, au Tour de Vendée en 2016. Et il ne va pas s'en priver. Ah, il a l'air bien, hein, Christophe Laporte. Et alors vous allez voir, il y a un dernier tour. Il s'est porté à l'avant. Une centaine de mètres sur Damien Godin qui... Ah, c'est vrai que Damien Godin est sûr de retrouver ses, de l'énergie, des forces. Lui qu'on sous-estimait, on l'a vu tout à l'heure larguer à chaque fois, à chaque relance. J'avais un petit doute, hein, je vous l'ai fait sentir, j'avais un petit doute connaissant M. Godin. Quand on continue d'emmener un développement comme ça, je crois qu'il s'est tout simplement mis à l'abri pour sortir la cerise. Il donne tout, hein, pour rentrer. Et Damien Godin, c'est quelqu'un qui, dans le final, peut faire très mal. C'est un rouleur hors pair. S'il décide de passer la surmultipliée sur 2 ou 3 km, c'est un vrai tracteur. Il peut faire du mal à son petit monde. D'autant que cette course, il l'affectionne dans tout ce particulièrement. Groupe, Cyril Gauthier s'est fait piéger. Cyril Gauthier, c'est vrai qu'il avait montré de fortes impressions. Et Alors là, maintenant, on va voir la course des Fortunio, parce que c'est tout de suite qu'il faut boucher le trou, revenir. Damien Godin qui est juste derrière Christophe Laporte. Christophe Laporte qui... il ne lâche pas ses efforts. Je pense qu'à ce stade de la course, il a compris qu'il fallait laisser passer partir personne et que Laporte, c'est potentiellement un vrai client. Alors derrière, peut-être qu'on s'observe, mais il est temps maintenant pour eux de prendre les décisions qui s'imposent. Voilà, une dizaine de secondes pour Christophe Laporte. On voit bien que derrière, les coureurs n'ont pas réagi. Il n'y a que Damien Godin qui a su profiter. Il a dû... on gicler de l'arrière, il est rentré sur le groupe et tout de suite il a passé en injection le groupe de 8 coureurs. Et alors, est-ce qu'il va réussir à faire la jonction? Alors derrière on commence un peu à... Derrière ça temporise, hein, ça se... Je pense que c'est compliqué, personne, hein, je pense que la victoire va jouer entre ces deux coureurs. Mais même si on arrive au sprint, même si Damien Godin arrive à rentrer sur Christophe Laporte, Christophe Laporte a quand même une très belle pointe de vitesse. Laporte, il y croit. Et Godin est pas loin. Ah, ça va être un mano à mano, hein, maintenant, ouais, jusqu'à l'arrivée. Hein. Voilà, une centaine de mètres d'écart. On a vu, hein, quand même que Christophe Laporte était très à l'aise dans le circuit, dans le ribine. Lui, l'ancien vététiste. Et là, c'est évident que ces deux garçons... 7 secondes, voilà, 23 secondes sur le peloton, sur le reste, il y a un du écart. Groupe. Ouais, il y a ça un veut dire que la victoire va jouer entre ces deux coureurs. Il y a un écart qui est fait. On voit Christophe Laporte se retourne quand même trop régulièrement pour juger de son avance. Je pense que Christophe est aussi, lui, très entamé par cette course exigeante, dure, difficile. Attention de ne pas prendre de risques dans le ribine, même si il est à son aise. Là, il faut savoir virer. C'est dommage de tout gâcher. Voilà, être prudent. Quitte à revenir avec lui Damien Godin, qui peut quand même être un bon allié dans le final pour contenir ce qu'il reste du peloton, ce qu'il reste des poursuivants qui ont maintenant plus que 3 km pour réagir. Oh, ça va être compliqué, hein, pour les coureurs de l'arrière. On voit que là, Christophe Laporte qui est beaucoup plus prudent qu'il a pu l'être, enfin il prend beaucoup moins de risques au tour précédent, et on voit Damien Godin qui reprend mètre par mètre. Et là, c'est à moins d'une vingtaine de mètres maintenant de Christophe Laporte. Il faut vraiment jouer d'une énorme prudence. Je pense qu'il va quand même réussir à rentrer. Ah, c'est un mano à mano. Hein. C'est vrai que maintenant, il n'y a pas à se regarder. Hein. Et on voit que Damien Godin reprend progressivement centimètre par centimètre. Et réduit son écart avec Christophe Laporte. Voilà, on va sortir du ribin, on va tourner à gauche, ça va descendre légèrement. Allez, alors qu'on a une chute de la Danius et Gauthier dans le ribin à Radio Tour. Fatalement, il y avait des prises de risque. Il y avait une prise de risque dans ce ultime ribin.
Et donc Damien Godin va-t-il revenir sur Christophe Laporte? Eh bien, c'est toute la fin de course qui se joue actuellement. Godin, c'est un sacré rouleur. Juste derrière. Et Laporte joue bien sa carte dans ce final. Ça va être serré. 2 km de l'arrivée. 4 secondes pour Damien Godin. 11 secondes pour les poursuivants. Il n'y a rien de fait. Attention à ne pas prendre de risques dans les virages. Même si le soleil est apparu, la route est encore humide. Et on voit que derrière, les coureurs ne sont pas loin. Hein. 4 coureurs qui sont en contre. Je crois qu'il a fait ça va jouer à pas grand chose. Si Damien Godin parvient à revenir sur Christophe Laporte, il aura quand même laissé dans la bataille des forces essentielles. Ah, tout à l'heure, je vous le disais, à l'emballage final. Tous les sprints qu'il était obligé de faire à chaque sortie de Rébine pour recoller à son groupe, c'est des forces qui lui manquent maintenant. En attendant, c'est vrai qu'il aurait été à l'avant à chaque fois. Il aurait pu s'économiser. Et... Oui, mais Godin est quand même dans le final. Il est quand même là pour éventuellement la gagne. Pour faire le doublé. Mais c'est quand même un garçon qui est impressionnant, dur ou mal. Quand on voit la victoire qu'il avait signée l'an dernier, il avait impressionné son monde. Et il y croyait encore aujourd'hui. Hein. Il se disait pourquoi pas direct énergie enchaîné Tour du Finistère. Mais c'est pas fini, attention à l'arrivée, pas simple, hein. Faux plat montant sur 300-400 mètres. On voit bien Christophe Laporte qui se retourne, qui lâche rien. Alors là, ça y est, on est au kilomètre. Et attention. Alors que derrière, les concurrents sont pas très loin non plus. Hein. Attention à Damien Godin. Hein. Voilà, dernier virage, attention à pas chuter. Mais on voit bien, ouais, ils ont fait l'écart quand même si derrière, le groupe est pas loin. A bien relancé. Alors à ce stade de la course, on peut dire que si Christophe Laporte ne... Oh, il est quand même... Il a l'air facile, ça va être... A pratiquement course gagnée, à moins d'un retour phénoménal de Damien Godin. Et ouais, surtout que Damien Godin se retourne quand même. S'il gère bien son affaire, après, tirer, voilà, normalement... Il donne le tout pour le tout dans la montée. Attention, retour de Damien Godin. Ah, oui. L'écart se réduit. On sait jamais. On peut avoir un... Attention, il relance la machine. Ça va jouer à pas grand chose. 100 mètres. Et là, normalement, non, belle victoire, c'est bon. Christophe Laporte va s'imposer avec la manière après être sorti au bon moment. Lui, le sprinter qui gagne aujourd'hui en solitaire. Et Damien Godin, bravo, deuxième après avoir signé l'an dernier. Et pour une la troisième place, sur ce Trobreléon. Attention pour la troisième place. Pour la troisième place. Ça va être Ibercefa de l'équipe Tortoledo. Voilà, Christophe Laporte. Et on va tout de suite aller retrouver Mathilde Lazou qui est tout à côté de Christophe Laporte. Et on va franchir Laurent Pichon là, très, très déçu. Fatalement il Laurent. Il essayer de disputer le sprint pour la troisième place. On devrait très vite... Cyril Gauthier, pareil, qui reprend son souffle, qui est dans les bras de son staff, de son équipe, trop heureux d'avoir signé là une victoire importante pour la Coupe de France. Et Mathilde sera tout à côté de lui dans quelques instants pour recueillir ses premières impressions. Un garçon qui a su sortir au bon moment. Christophe, j'imagine que vous avez su sortir au bon moment pour vous imposer en solitaire ici sur le Trobreléon. Oui, c'était une course dure. Alors, je suis très heureux, j'ai fait la course assez tôt et voilà, c'était dur, j'ai eu un coup de moins bien et après ça allait mieux. Je savais qu'il fallait tout seul devant, c'est limite mieux parce que tu donnes tout et derrière ça collabore mal, donc je voulais vraiment sortir, j'en ai vraiment fait beaucoup, donc je savais que c'était soit je sors soit c'est mort, donc voilà, je suis très heureux. C'est vraiment une belle course et je suis content de gagner ici, c'est génial. C'est votre quatrième victoire cette saison, j'imagine que c'est déjà très bien. Ouais, voilà, j'avais... À Paris-Roubaix, c'est une course très importante pour moi, j'étais malade avant, donc j'avais vraiment à cœur de me rattraper avant la coupure et voilà, j'avais la rage aujourd'hui et ça a payé et je suis très heureux pour l'équipe et voilà, je suis très content. Merci Christophe. Pourquoi t'as pas attendu le sprint, Christophe? Ouais, Christophe Laporte hein, qui avait déjà gagné une étape à Étoile de Bèche, deux étapes sur le Tour de Provence. On l'a vu quatrième à Ganvegem.
C'est un coureur qui prend un peu le leadership aujourd'hui chez Cofidis. En l'absence de Nasser Bouani, qui n'est pas au mieux de sa forme. Et c'est vrai que Christophe Laporte, lui qui était le poisson pilote de Nasser Bouani, aujourd'hui il prend sa chance et il a prouvé qu'il savait gagner. Alors il s'est gagné en solitaire, mais à la base c'est vraiment un pur sprinter et qu'on devrait voir et pourquoi pas peut-être que. En tout cas, aujourd'hui, encore un peu plus sa sélection pour le Tour de France. Encore une fois, c'est une course qui s'est faite dans le final, à la pédale, avec une sélection énorme. On voit qu'il y a très peu de coureurs qui vont finir cette édition 2018 du Trobreléon. Course exigeante, cassante, usante, mais ô combien spectaculaire. On l'a vu encore, elle récompense chaque année un grand champion et on ne s'impose pas sur le Trobreléon, jamais par hasard. Il faut vraiment être très fort. Voilà, on a vu Cofidis aussi Hugo Stotter finir quatrième, qui va marquer de précieux points pour la Coupe de France et qui va confirmer un peu plus encore son leadership. Je vous coupe, on va tout de suite retrouver Mathilde avec Laurent Pichon qui est certainement bien entendu très déçu. Mathilde. On va retrouver Mathilde, je crois, qui est aux côtés de Laurent Pichon dans l'air d'arrivée. Laurent Pichon qui rêvait aujourd'hui, bien entendu, de s'imposer sur ce Trobreléon. Je crois qu'on a du mal à rejoindre Mathilde. On l'aura peut-être dans un petit instant. J'avais pas couru hier pour aujourd'hui, mais il m'en a manqué. Et là, je finis, j'ai plus aucune force. Merci beaucoup. Je suis déjà en direct. Et du coup, qu'est-ce qui vous a manqué aujourd'hui pour vraiment réussir? Bon, la jambe, tout simplement. Voilà, Christophe Laporte, on a bien vu, il aurait très bien pu gagner au sprint, mais voilà, il en a mis, c'était le plus fort. Et voilà, et moi, personnellement, je dis, voilà, c'est une arrivée qui me convenait. Pour la troisième place, je pouvais encore espérer un beau truc, mais voilà, j'avais plus rien dans les jambes, j'ai tout donné, j'arrive même pas à suivre le groupe, donc c'est comme ça. Merci Laurent. Eh oui, on le sent naturellement, particulièrement déçu. On aura eu vraiment une très belle édition du Trobreléon. Elle n'aura pas, encore une fois, sourit au breton, c'est bien dommage. Et on découvre une dernière fois ce pays des Abers avant de bientôt refermer cette prise d'antenne exceptionnelle pour cette couverture du Trobreléon 2018. Merci à l'ensemble des équipes techniques qui ont assuré la retransmission de cette course toujours merveilleuse. Merci à vous Lilian, merci à toutes les forces en présence pour l'organisation de cette belle épreuve, cher à Jean-Paul Mélouette. On retiendra qu'aujourd'hui c'est un homme fort d'une équipe nordiste qui s'est imposé en la personne de Christophe Laporte, qu'on voit tout à son bonheur en franchissant la ligne ici à l'Anilis, avec derrière lui un dauphin qui l'an dernier était sur la plus haute marche du podium. C'est vraiment Damien Godin qui a caché son jeu, on peut le dire Lilian, il a caché son jeu jusque dans le final. Merci à Anthony Forestier qui a assuré la réalisation de cette retransmission. Merci aux équipes de France 3 Bretagne qui étaient entièrement mobilisées pour vous faire vivre ce moment de la course cycliste en Bretagne. A bientôt sur de belles épreuves. On sera notamment, bien sûr, sur les routes du Tour de Bretagne à partir du 25 avril jusqu'au 1er mai. Bonne soirée à vous tous. Bonsoir. We'll be right back.